Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de StarCraft. Je joue contre un Terran. On est sur Oiseau de Foudre. Et on a un niveau de jeu autour de 3400 MMR. Let's go. Tac, tac. Contre un Terran, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas d'ouverture en adepte. C'est pas trop adapté. On va partir macro direct. Je pense essayer de prendre 3 bases très rapides que je vais essayer de sécuriser au max. Et partir sur un build. Hybride autant que possible, j'aime beaucoup jouer ça en ce moment, ça m'éclate, c'est pas forcément le plus conseillé de partir sur du terrestre et de l'aérien en même temps, mais ça me plaît beaucoup de jouer ça, donc je pense que je vais essayer de mettre ça en place assez vite. On va voir si je m'en sors. C'est toujours les débuts de partie qui sont compliqués quand vous devez poser beaucoup de tech et des améliorations sur plusieurs types d'unités en même temps, que c'est un peu compliqué. Allez hop, on va chercher une B2 assez rapide. Peut-être aussi poser une forge assez fast, histoire de pouvoir mettre quelques petits canons défensifs qui vont être très importants sur un début de partie. Mettre ça là pour l'instant. Allez, la petite B2 qui va sortir tout de suite. En plus, sur une grande map comme ça, c'est plus safe de poser une B2 fast que sur des petites maps où il peut y avoir un push très très rapide. Là, on a un tout petit peu plus de temps de battement sur le début de la partie. On va venir poser le noyau. Le gaz aussi, bien sûr. Hop. Ensuite, il va me falloir de la pop. Hop là. On va chrono l'écho. Très important. Toujours chrono l'écho. Ok. Allez, maintenant, go B2. On va sortir un tracker dès que possible. Oups. Ok. Tac. On va quand même le chrono, hein. Sait-on jamais qu'on se prenne un petit truc agressif rapide en face. Un deuxième pylône, deuxième gate. Pylône, il va vraiment falloir un ici d'ailleurs. Hop. Voilà, sans grande surprise. J'ai mis beaucoup beaucoup trop de probes pour les courir après. C'est pas du tout ce que je voulais faire. J'en ai perdu une ou non? Ok, hop. Est-ce qu'il arrive à la prendre? Normalement non. Bon, ça va pour l'instant. On va aller poser notre petite forge. On va faire le warp. Hop. Ok, il va nous falloir quand même un peu plus d'unité. Là, c'est un petit peu léger. Faire de sentinelle, très important. Peut-être également des batteries shield, des fois qu'on ait un petit push ou un truc comme ça qui sort en face. Ah putain, le mec ne s'arrête pas. Ah putain, j'ai perdu une probe, non! Je suis totalement con d'en sortir autant que ça là. Ça me fait perdre du temps de minage conséquent et pas du tout justifié. Mec, au bout d'un moment, stop quoi. Voilà. Ah là là. Les Terran, hein. Qu'est-ce qu'on aime ça. Hop. Toi, go B3. Il va nous falloir d'un petit peu de tech. Poser quand même une petite batterie shield par là. Parce qu'il a l'air de jouer un petit peu relou en face. Hop, on va mettre un petit peu de pylône. Okay. Quand je dis un peu de pylône, hein, moi, vous avez compris que c'est une tonne de pylône. Mais il n'y a pas de souci. On va essayer d'aller prendre un petit peu la vision sur ce qu'il nous fait. Pour qu'on ne joue pas à l'aveugle et qu'on puisse faire des choix d'unités adaptées. Ah, tac. Allez, go B3 maintenant.
Je me pose très très vite de l'écho. C'est un peu risqué, mais j'aime bien jouer comme ça. Parce qu'après on peut s'amuser à partir en macro, et ça c'est génial. Hop, on va commencer à mettre de quoi faire déjà de la détection, toujours utile. Ok, je vois deux bases pour l'instant. Je vois une mine. Peut-être du drop mine. Ah voilà, bah écoutez, hein, il suffisait que je le dise. Oh putain, j'ai pas eu le temps de les décaler à temps. Je suis tellement deg. J'avais prévu en plus de mettre. Oh, je suis deg. J'avais prévu de mettre des canons justement pour que ça n'arrive pas. Et bah, ils m'attaquent juste avant que j'aie le temps, quoi. Super. J'ai perdu tellement là. Il m'a pris 10 récolteurs quoi, juste sur une petite inattention. Ce jeu est tellement punitif, vous n'avez pas le droit à la moindre erreur d'inattention, c'est incroyable. Hein. C'est un peu frustrant, bon, c'est ce qui fait aussi le charme du jeu, mais des fois c'est quand même un petit peu énervant. De dire que là en fait j'ai peut-être juste perdu la partie là-dessus. Bon, ça va qu'on est à un niveau de jeu en fait où tout le monde fait un peu des erreurs des deux côtés et au final les erreurs se compensent un peu parce que on n'a pas le niveau pour vraiment punir ce genre de choses. Mais malgré tout, pas très agréable quoi. C'est pas très agréable, je vais essayer de faire une charge rapide, j'ai beaucoup trop de... Allez hop là. Cette fois-ci, tu fais moi le malin mon ami. Tes mines me font absolument pas de dégâts. Bon au final je pense que je m'en sors pas trop mal parce que là du coup j'ai ce qu'il a perdu avec son Medivac et ses mines, ça doit à peu près correspondre à ce que lui m'a pris juste avant. Ah, je vais blinder de canon, j'ai pas envie de jouer en me faisant emmerder toutes les 2 secondes. Je vais me faire le blink, hop. Je vais balancer mon plus 1 d'attaque et il va me falloir de quoi faire de l'archonte pour pouvoir convertir cet excédent de gaz que j'ai là, à cause d'une mauvaise gestion de la stoichiométrie de mes ressources. Hop, hop. Faut que je fasse gaffe parce que là j'ai très peu d'unités. S'il m'attaque à ce timing, je suis pas bien. Il va falloir au bout d'un moment que j'arrête de m'étendre et que je pose quand même un petit peu 2-3 trucs. Ok. Je vais faire du colosse très vite. Ok. Je vais enfin pouvoir sortir mes archontes. Ça me met déjà tellement plus safe. Il y a un petit push de marine et compagnie. Allez hop, des petits pylônes, batterie, canon. Je te vois mon coco hein. Je pense que je m'en sors pas trop mal. J'ai pas perdu tant que ça, enfin j'espère. Putain, mais même en sortant les probes en fait, ça a suffisamment de portée en les tapant pour que je prenne quand même archi cher. Allez, j'ai perdu masse là. Alors que dès que je l'ai vu, j'ai pull les probes. Et malgré ça, je prends des dégâts économiques énormes. C'est très énervant son truc. Bon bah on va blinder hein. Mais... C'est frustrant quoi. Tac. Allez, il va falloir des gates. J'ai encore perdu je sais pas combien en écho là. Allez go, je fais tout de suite du colosse, je me casse pas la tête. On va faire un peu d'archonte aussi. En vrai je crois que je vais faire un prisme mais dès que j'ai mes 3 bases je fais un push. Tout simplement. J'ai pas vraiment aimé ces petits harassements là aux mines. En vrai go elle est là maintenant. Peut-être poser genre une B4 ou un truc comme ça. Mon plus 1 d'attaque est fait, ok. Je vais faire 2 autres forges histoire de pouvoir compléter mes upgrades au plus vite. J'aime beaucoup faire ça, je pense que vous l'avez compris si vous m'avez un peu regardé jouer. En vrai je vais sortir 4 colosses, dès que je les ai, bam, ça part. Avec un prisme aussi. Là, ok, bon, ça c'est à peu près barricadé.
Ça aussi, je mets 4 canons et 2 batteries shield par base, je trouve que c'est correct. C'est beaucoup, hein, c'est énorme. À plus haut niveau, personne ne fait ça parce que ça demande de mettre beaucoup trop de ressources dans un truc statique. Mais comme je déteste en fait quand je me prends du harcèlement par des mecs qui me laissent pas respirer et qui m'empêchent de développer mes actions, je préfère me mettre un petit peu d'écho là-dedans, sachant que j'aime bien jouer à l'économie. Tac, on va envoyer les petites upgrades. Allez, ça. Pareil, il en tire pas beaucoup de valeur. On va également fortifier cette base, même un peu plus que les autres, parce qu'elle est très exposée. Tac. Allez, encore un canon ici, je considérerais que je suis bon. Là, je crois qu'on va balancer un énorme push. Ce serait bien que j'ai un tout petit peu plus de pylônes. Hop. En vrai, je vais atteindre une pop max là, très vite. J'ai à peu près tout qui est là. En vrai, je crois que je vais aller prendre de la vision juste pour repérer ces bases. On va partir sur un push archi vénère. En mode une tonne d'archonte. Quand je dis une tonne d'archonte, c'est une tonne d'archonte, hein, que ce soit bien clair. On va refaire un petit peu de gate. Genre comme ça. Il n'y a que 3 bases en face a priori. Ok, il y a du Thor, il y a de l'Elbat. Ok, il va me falloir. Il va me falloir du Stalker Blink pour pouvoir gérer ça. Ce serait bien que j'ai la Storm éventuellement, mais bon. On va faire, tiens tant qu'à faire, de quoi faire des Dark Templiers si j'ai besoin. Ça pourra me servir. Je vais faire un petit... Merde, c'est pas du tout les unités que je voulais faire. Je voulais faire du Zélote. Bon bah ça va me faire encore des Archontes. C'était pas le but. Ça m'en fait un peu trop là. L'armée est pas très équilibrée du coup. Je voulais du Stalker en fait. En vrai, je vais attaquer. Je vais même péter ça pour pas me faire embêter au niveau du passage. Voilà, je suis full pop. Je vérifie que j'ai bien de la détection. Ouais. Je vais aller me caler par là. Au niveau des améliorations, il faut que je les lance à fond. Allez, go. Ok, j'ai un placement qui est pas trop mal. Là, normalement, ces libérateurs, ils vont complètement fondre. Je continue mes améliorations en même temps. Là, je pense que je les crush, en fait, là-dessus, tout simplement. Je pense qu'il va prendre très très cher. Oh, c'est génial. C'est génial. Derrière, je peux continuer à alimenter grâce à mon prisme de transfert qui est positionné ici. Et là, là ça picote. Hein. Très clairement, ça pardonne pas. Et ça l'abandon de notre ennemi. Bon bah c'était stylé hein, comme petit push. Là c'est vraiment... en fait c'est une map qui s'y prête très très bien. Parce que vous pouvez avoir 3 bases que vous sécurisez, vous faites une écho. Et dès que vous êtes à peu près établi, bah vous rushez une pop de 200 en fait, et bam, grosse attaque. Bah voilà, j'ai réussi à avoir une prise de fight qui m'a mis bien. En termes de... Ah oui, sur les scores, j'ai 2 fois en bâtiment, 2 fois... Genre, je sais pas exactement la pertinence des chiffres qu'on voit ici, mais... En termes de grave, voilà, valeur de l'armée, une fois que j'avais calé mon écho, tac, j'ai rush la pop maximale et j'ai attaqué. Et là, on voit que j'ai pratiquement rien perdu en fait dans l'affrontement en finale. Et lui, son armée s'est effondrée contre la mienne. Taux de récolte des ressources, j'étais un petit peu devant. En amélioration, c'était à peu près kiff-kiff. Ouvrier actif, ah, j'avais une plus grosse économie. En fait, dès le début, vous voyez, ça c'est ma B2 rapide. Dès le début, j'ai une économie plus forte. Et après, en fait, ça m'a permis de garder l'avance et de tenir à la fois ces petits harassements qui ont essayé de me péter de l'économie avec ces mines et compagnie. Tout en me développant plus vite, et en fait j'ai atteint plus vite un point critique d'armée maximale, et quand je l'ai...
Enfin voilà, de toute façon c'est très explicite, hein, les ouvriers actifs ici, taux de récolte des ressources, là c'est un peu plus confus parce que bah voilà, là il y a les moments où il m'a attaqué mes récolteurs. Mais globalement, malgré les petits moments où il m'en a pété quelques-uns avec ses mines, j'ai pu très très vite rush à un stade où, allez, tac, là je suis prêt, j'ai mes unités, j'ai mes améliorations, j'attaque et je plie la partie. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.